La première journée de la Super League Pro étant reportée, place à la deuxième journée dans laquelle Damissa FC de Ndali reçoit l'association sportive Ouémé Stase Assos. Avec son statut de petit poussé lors de la première phase de la Ligue Pro, la Panthère de Ndali a créé la sensation et veut désormais tutoyer les sommets. Cela passe par une bonne entame de la compétition et les protégés du coach Amidou Malik en sont conscients. Du premier coup de sifflet du juge central, les jaunes et verts mettent la pression sur leurs adversaires et maintiennent ce pressing pendant longtemps. Malgré les nombreuses occasions vendangées par sa ligne offensive, Damissa ne démord pas et sera récompensé peu avant la demi-heure de jeu. À la 28e minute, le juge central siffle une faute au profit des locaux. Cette faute, exécutée sans grande conviction par Youssoufou Marouf, sera la déclencheuse de l'ouverture du score. Sur ce centre millimétré de Lawani Adaru, Yaris Fatihi prend toute la défense centrale adverse à défaut, puis nettoie la lucarne gauche des buts de Agbessi Nicéphore. Damissa 1, Assos 0. Les visiteurs qui jusque-là jouaient le temps sont surpris et reprennent le jeu. Les quelques molles offensives menées par les bleus et blancs de Assos n'inquiètent guère Mesmin Adoukonou qui passe une première mi-temps paisible. Damissa revient en seconde partie avec les mêmes ambitions de départ, mais les nombreuses fautes commises par Assos retardent l'échéance. Sur ce coup franc de la 60e minute, Agbessi Nicéphore sort une belle claquette pour maintenir son équipe à flot. Le jeu se poursuit de fort belle manière et Damissa insiste sur les côtés. Une stratégie de jeu qui s'avère payante à la 69e minute. Avec ce deuxième but marqué par Adamou Jabaroudine sur une offrande de Tamou Idrissou, la Panthère sécurise sa victoire. La séquence de jeu après ce but en dit long sur la domination de Damissa. C'est tout. Un récital, une passe à 10 et une possession de balles qui seront couronnées en toute fin de partie par un troisième but. Sur ce but, Tamou Idrissou, après un dribble, sert astucieusement Fahadou qui met un plat du pied droit imparable. Damissa 3 à Assos 0. Même les 4 minutes de temps additionnel ne changeront rien à ce score.